Salut à tous les socios, bienvenue dans le Club des 5. On est ensemble pendant plus d'une heure pour débriefer, comme d'habitude, les plus gros matchs de la journée. On a pas mal de gros chocs à débriefer ensemble les socios. On est très heureux d'être parmi vous. Pour m'accompagner ce soir, j'ai un plateau de persifleurs. D'amuseurs. Exactement. Ce soir pour m'accompagner, on va bien rigoler, on va bien s'amuser. Il y a énormément de foot à débriefer. Salut Walid, comment tu vas? Ça va super. Tu sais que je la tiens la limitation de... Comment il s'appelle Chalençon? Fais-la. Ouais, ça. Je suis un amuseur, je suis un persifleur. Allez, moi, tu sais que tous les jours, je me tape un peu de Chalençon, parce que c'est extraordinaire. Il est énorme. Comment il va? Ça fait longtemps que t'as pas vu. Très la bien. Suisse, alors, c'était comment? C'était très cool. C'était très cool. Franchement, j'ai vu ça. Reposant, pas mal. C'est à conseiller ou pas? À conseiller, ouais. Parce que je voulais aller avec un ami à moi qui est en face de moi, qui a besoin de repos. Qui est pas mal. On va se faire un petit peu de... Ah ouais, bah je te conseille d'y aller tout seul. Voilà, c'est ça, conseille. C'est génial, mais... C'est génial, mais sans Elton. Non, mais c'est ça, j'aime bien ta franchise. Bah voilà, je préfère être honnête, Wally, dès que tu ne sois pas déçu de ta vacances. Par contre, j'ai un ami qui a un coussin, il est là pour dormir ou qu'est-ce qui se passe? Elton, est-ce que tu peux... On va le présenter calmement, Elton Mokolo. Salut Elton, comment tu vas? Ciao tutti. Ciao tutti ragazzi. Comment allez-vous? Mais c'est beau. Ça va et toi? Très bien. Ça va. Alors, ce petit poussin là. Je fais un peu de publicité. Il y a l'honorable Paco que vous connaissez à travers Instagram, la légende, qui m'a offert un petit cadeau, un poussin de l'Hercules Alicante. Donc voilà pourquoi je voulais le mettre en avant et remercier Paco qui est juste à côté. On remercie Paco évidemment. Il est passé nous voir. Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui étaient déconnectés pendant le confinement, il s'est passé des choses avec les lives notamment de Walid Acherchour, que vous connaissez bien. Et on a fait la découverte de Paco tout court. Il est un sacré personnage. Il est venu de Montpellier nous rendre visite. On a passé une belle petite journée, même petite soirée en regardant du football. Et il m'a offert moi une veste, la veste de Rafael Nadal que je ne veux pas porter. Aux Jeux Olympiques. Non, mais... Tu refuses de porter. Mais si, parce qu'en fait. Ne ferait pas de cadeau à Walid. Mais en fait, il refuse de porter les cadeaux. La veste est tellement belle. Et vraiment, ça m'a vraiment touché parce que c'est la veste de Rafael Nadal que j'ai du mal à la mettre. Sincèrement, c'est une pièce. C'est une vraie pièce. Hein. Pour le coup, moi, je suis jaloux. J'aurais bien aimé qu'on échange. Mais... Ah ouais, donc le Hercules, le baratin sur le coussin d'Hercules, ça va. Ah non. En deux minutes, il vient de dire mon coussin, il était éclaté. Alors, moi, non. Vous m'avez pas compris. Ce soir, si tu t'inscris sur Vinted, Elton Mokolo, tu Vous m'avez pas compris parce que Nadal, c'est Nadal. Ah ouais, c'est une valeur inestimable. Je te jure, sincèrement, mais il m'a fait ce cadeau-là. C'est un cadeau immense. Et puis en plus, Paco est une excellente personne. Ça fait plaisir de le voir. Franchement, ouais. Effectivement, comme t'as dit, il vient du sud, il a parcouru les chemins. Voilà, il a parcouru. Il revient de loin, exactement. Je disais que je la sentais pas cette émission avant de commencer. Walid, un peu en off. Ouais, il t'avait répondu déjà. Tu l'avais répondu pas? J'ai plus. Il m'a dit un truc assez marrant. Je t'ai donné une phrase qui t'a requinqué. Aujourd'hui, meilleur qu'hier, moins bon que demain. Focus. Ah purée, avec ça, mon pote, je peux te le dire ça. T'écris ça sur les murs. Énorme. Ça, c'est... Tu tagues. Je suis requinqué. Je suis requinqué, Elton. Répète-la une dernière fois parce que j'ai pas bien comprise. Messieurs, dames, aujourd'hui, meilleur qu'hier, moins bon que demain.
Excellent, Elton. Excellent. Bah, j'espère que tu seras bon demain. J'espère que tu seras pas moins bon qu'aujourd'hui parce que c'est déjà mal barré. Sans plus tarder, les socios, je vous propose de découvrir le sommaire qui va nous accompagner pendant cette émission. Un sommaire que je vous ai promis copieux ce soir avec deux grosses affiches, évidemment. Et on va commencer par la course au titre qui se poursuit en Liga avec, évidemment, la victoire du FC Barcelone contre Valladolid. Donc, c'était un peu plus tôt dans la soirée. Victoire 1-0. On enchaînera avec le choc de la soirée, ce match entre l'Atalanta et la Juventus qui s'est soldé par un score de 2-2 partout. Vous verrez effectivement, il s'est passé énormément de choses sur ce match avec pas mal de faits de jeu qu'on décryptera ensemble. On s'excuse les socios, j'ai Antoine qui me dit qu'il y a eu un problème avec les sommaires, c'est pas grave, vous en avez l'habitude. On traitera d'abord la Juventus de Turin et puis ensuite on abordera la victoire du FC Barcelone contre Valladolid. Voilà, dans l'ordre, c'est mieux les socios. Il y a énormément de choses à débriefer ensemble. On va avoir le temps de le faire. Et évidemment, la question du soir va tourner autour de ce match entre la Juventus et l'Atalanta. Ce choc en Serie A. On va se poser la question des failles de l'Atalanta Bergame. Pardon, ça arrive à l'écran. Quelles sont les failles de l'équipe italienne qui, je le rappelle, affrontera le PSG en Ligue des Champions? C'est l'occasion de parler des points faibles, mais aussi surtout des points forts, les gars, puisqu'on a vu un match très intéressant, même si on en parlera, Wally, en deuxième partie d'émission. On a un réalisateur qui fait pas le plus grand début. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est pas le début de l'Atalanta Bergame. Tu sais, des fois, t'as des caviars. Là, ce qu'on m'a mis, c'est un peu les... C'est qui le réalisateur, là, qu'on a... Je sais pas, mais il le sera plus à la fin de l'émission. Il m'a mis en... Il nous fait un début de match, un début d'encontre, c'est trois relances, plein axe. C'est un but contre son camp. Exactement. Et c'est rouge. Rouge sur le premier duel. Il nous a fini Nketiah, là. C'est pas évident, mais on essaie de bonifier les wallons. Les gens diront que c'était les premières minutes. Exactement. De match, et on essaie de bonifier les ballons, les gars, et ça va bien se passer pour ce réalisateur qui débute, évidemment, Antoine Le Breton, qui est là depuis le début du projet. En tout cas, les socios, je vous salue. Voilà, ça arrive des fois de commencer avec quelques bugs. C'est l'inertie informatique. En tout cas, on est content de vous retrouver dans le Club des 5. Évidemment, sur le chat, vous êtes de plus en plus nombreux à arriver et on est content. Voilà, pour une soirée à minuit, ça commence très bien. C'est que l'humain est top. Exactement. Après les compétences. Après tout ce qui est réel et tout, on fera les bilans après. Exactement. On va rentrer sans plus tarder sur le premier match de la soirée, le plus important en termes d'affiche, ce match nul entre la Juve et l'Atalanta. Pendant longtemps, les gars, on a cru à une victoire de l'Atalanta et finalement la Juve est revenue par deux fois. Ça a été un match assez intéressant au niveau de l'intensité, Walid, même s'il peut y avoir un peu de regret en tout cas dans le contenu. Ouais, un très très beau match, le meilleur match de la journée pour moi, où on avait vraiment un choc entre le premier et le quatrième avant la rencontre. Et on a eu un début de match vraiment convaincant de la part de l'Atalanta, où ils ont joué très très haut avec un pressing et un contre-pressing qui a beaucoup bousculé la Juventus, avec un milieu de terrain qui n'a pas été énorme. Ils ont été emmenés par un Papu Gomez des grands soirs, où ils ont réussi à trouver les solutions pour l'ouverture du score de Zapata. Ça a duré 30-35 minutes, où l'Atalanta a vraiment asphyxié la Juventus avec beaucoup de personnalité, avec zéro complexe, comme on voit l'Atalanta tous les week-ends, comme s'ils allaient jouer Lecce ou Spal. Et puis derrière, la Juventus a commencé à mettre un peu plus d'intensité, à jouer un petit peu plus haut. Ils ont eu un mini temps fort, notamment sur les 5 dernières minutes du temps réglementaire de la première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, ça a été un petit peu mieux. Ils ont réussi à aller chercher ce penalty un peu généreux sur ce centre de Dybala. Mais derrière, on a senti encore un temps fort de la part de l'Atalanta, avec des bons changements de la part de Gasperini, l'entrée d'Adrien Tamez, l'entrée de Malinowski qui a été buteur. Et ce sont deux joueurs qui ont vraiment tiré le collectif vers le haut. Sur la deuxième partie de rencontre, l'Atalanta qui met ce but de Malinowski, on en reparlera tout à l'heure. Malinowski qui est vraiment le joueur côté Atalanta depuis le restart, qui se met en évidence. Il avait déjà marqué contre la Lazio notamment. Et puis derrière, t'as ce penalty de Ronaldo, encore une fois un peu généreux, oui et non, parce que c'est encore une faute d'inattention de la part de l'Atalanta, mais ça fait deux partout, mais vraiment des regrets pour l'Atalanta parce qu'ils ont réussi un très très grand match et pour moi ils auraient mérité la victoire. Tu vois, sur le chat on nous dit, hein, le réalisateur a du sang sur les mains, on va s'en occuper ensuite. Elton, effectivement, comme le disait Walid, il y a eu un faux rythme à un moment donné pendant ce match, mais sur les temps forts on a senti que l'Atalanta était quand même peut-être un peu plus entreprenante que la Juventus. Ça s'est matérialisé aussi par l'avance qu'ils ont conservé
conservé jusqu'à la fin du match. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Oui, notamment sur la première mi-temps où l'Atalanta est arrivée avec davantage de fréquence dans le camp adverse. On a vu que la Juve est à court de solutions. Les solutions côté Juve se limitaient à quoi ? Des longs ballons sur Dybala, Dybala qui essayait de gagner des ballons au cœur de la défense bergamasque. Et pour autant, la Juve avait du mal à avancer du côté de l'Atalanta. On était sur la continuité de ce que disait Walid, à savoir qu'on est capable de jouer avec la même personnalité, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, face au champion d'Italie, face à l'octuple champion d'Italie. En deuxième mi-temps, pour autant, l'Atalanta est peut-être moins bien revenue, ou plutôt c'est davantage la Juve qui a relevé le curseur. C'est-à-dire que notamment sur la notion de pressing, la Juve a été plus présente. On a vu un Bentancur qui, s'il n'a pas été un régista extraordinaire aujourd'hui, peut-être dans cette notion de pressing, il a été plus intéressant pour cette faculté à récupérer des ballons plus haut dans le camp adverse. Et donc, du coup, l'Atalanta, plutôt que de regarder vers le but de Chesney, ils ont été obligés de regarder vers leur propre but. Et ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à ce pénalty rapidement obtenu par la Juve. Après, ça s'est normalisé dès que la Juve a eu cette espèce de temps fort avec notamment le pénalty. Ça s'est normalisé avec notamment les entrées de Tamese, etc., etc. Et en fin de match, on a un scénario où l'Atalanta réussit un contre-pressing et marque. Mais encore une fois, l'Atalanta est trahi par une inattention défensive qui se matérialise par un nouveau pénalty. On ne peut pas quitter l'Allianz Stadium avec deux pénaltys. C'est trop coûteux parce que tu peux pas partir avec une victoire en ayant concédé autant de choses. Justement, c'est intéressant, Elton, que tu parles de l'inattention de l'Atalanta, parce que je le rappelle, il y a une question du soir qui est tournée autour de cette équipe de Bergame qui, on le rappelle, va affronter le Paris Saint-Germain, et on parlera de ces failles-là. Je vous demande juste qu'on puisse passer quelques minutes sur la Juve, Walid. Depuis la reprise, on a un sentiment qui est assez mitigé concernant la Juve. Il y a eu des matchs sans, notamment contre des concurrents directs ou en tout cas des équipes du haut de tableau. Contre les équipes un peu plus faibles, ça s'est mieux passé. Encore une fois, ce soir, on les a sentis ronronnant pendant la rencontre. Ouais, un peu. C'est pas la meilleure des Juves. Un peu inquiet, parce que c'est vrai qu'au milieu de terrain, quand on voit le match de Matuidi, quand on voit le match de Bentancur, même si, comme l'a dit Elton, il est monté progressivement en puissance, la perte de Pjanic. Pour le coup, j'ai pas compris si, sur le banc. Je sais pas s'il est blessé ou s'il est suspendu, je sais pas, j'ai pas eu d'informations. Ah non, il était sur le banc, mais curieux d'entendre l'explication de Maurizio Sarri. Exactement, surtout quand c'était le meilleur contre le Milan, et je trouve que ça a perturbé notamment le premier pressing de. Le fait de pouvoir casser le pressing de l'Atalanta qui a été très très performant sur la première mi-temps. Après, pour revenir sur ce que tu disais, Bilal, on pensait que les 30 dernières minutes contre le Milan, il y avait des explications. Ah, c'était un épiphénomène. Voilà, c'était un épiphénomène. Et là, retour de Dybala, retour de Ligt qui a eu aussi beaucoup de difficultés face à Zapata, même s'il était dans le duel et qu'il a essayé de s'imposer. Mais il n'y a pas eu de fil conducteur, comme l'a dit Elton. En deuxième mi-temps, ils sont revenus un peu à l'orgueil, mais pas forcément sur une idée de jeu bien précise. Je trouve que Sarri a quand même pris encore une baffe ce soir par Gasperini sur la première mi-temps, alors que déjà sur le match aller, même si la Juve avait gagné 3-1 par rapport aux individualités, sur les 30 premières minutes, ça peut faire 2-3-0 pour l'Atalanta. Là, c'est la même chose ce soir. Je pense que le nul est assez heureux de la part de la Juve. Il n'y a pas de grosses occasions franches, hormis frisson. Exactement, t'as l'occasion de Ronaldo où il fait un contrôle en extension incroyable et sur le long ballon de Cuadrado. Voilà, le long ballon de Cuadrado, mais sinon c'est encore une fois c'est des actes isolés, c'est pas des vrais temps forts de la part de la Juve, où t'as une Atalanta qui est prise dans l'étau. Donc ouais, déçu parce que depuis le restart, alors il y avait l'échec contre le Napoli avec les tirs au but et la finale perdue contre l'équipe de Gattuso, mais derrière ils avaient bien enchaîné le match contre le Torino, match contre le Genoa, match contre Lecce. C'était des bons matchs de football où j'avais senti vraiment un fil conducteur revenir. Là c'est vrai que Milan, Atalanta, tu gagnes quand même un point sur la Lazio aujourd'hui parce qu'ils ont éteint la lumière, c'est rideau depuis le restart, mais c'est quand même assez décevant dans le jeu. Ouais, la vieille dame qui avance seule, Elton, mais qui avance un peu au ralenti, est-ce qu'on peut s'inquiéter de les voir si ronronnant, j'aimais bien ce terme. On voit juste le calendrier avant de te laisser poursuivre, pardon. On voit les derniers résultats, pardon, de la Juve, et on remarque bien ce qu'on disait, c'est-à-dire que contre les plus petits, on arrive à garder un avantage confortable, alors que quand l'adversaire
l'adversité devient plus importante, certaines limites se montrent. Moi, c'est pas en termes de points que je vais m'inquiéter pour la Juve, parce qu'elle est encore en piste, enfin, elle est encore en route pour être au-delà de la barre des 90 points, ce qui démontre que t'es assez régulier. Mais c'est plutôt en termes de jeu. Moi, j'avais noté un regain de forme au niveau des jeux, au niveau des adaptations tactiques de Mauricio Sarri, notamment l'utilisation de Cuadrado, peut-être pas davantage dans un rôle de latéral-latéral, mais un latéral qui va venir davantage à l'intérieur du jeu. Bernardeschi, est-ce que dans cet homme qui allait étirer sur la droite, il allait être intéressant? Il y avait des adaptations qui me paraissaient intéressantes et je voulais le voir, notamment sur cette semaine où c'était une semaine de feu, entre guillemets, dans la mesure où tu affrontais le Milan qui était sur une très bonne forme et tu affrontais l'Atalanta qui était peut-être un examen très très dur. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu notamment sur le pressing de l'Atalanta, la Juve allait être confrontée à une donne quasi inédite en Serie A. Et pour autant, là, pour le coup, là, quand tu fais le bilan par rapport à ce match de l'Atalanta, il y a quand même beaucoup de feux rouges, c'est-à-dire qu'on n'a pas su, entre guillemets, avoir une régularité dans le jeu, et pire que ça, on a encore concédé des buts, et ça, ça peut être inquiétant dans la perspective future. Mais tu parles dans le jeu, mais aussi un point de vue résultat, c'est-à-dire que aussi, tu prends un point sur 6 face au Milan et à l'Atalanta. C'est trop alors, peu. Alors, heureusement... Ah, mais tu l'as dit, il gagne un point. Exactement, exactement. Heureusement que de l'autre côté de l'Italie, t'as la Lazio qui perd contre Lecce et qui perd contre la Sassuolo. C'est quand même le paradoxe. Si la Lazio avait fait 6 points, alors que normalement ils doivent faire 6 points vu la saison qu'ils font face à Sassuolo et face à Lecce, aujourd'hui ils seraient à combien de la Juventus? On parlerait pas avec la même, comment dire, indulgence. Aujourd'hui, on est obligé d'être indulgent par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au fait qu'il limite la casse, même si ça n'a pas été flamboyant. Après, le match contre Milan, on en avait parlé, les 60 minutes sont plutôt bonnes. C'est vraiment, ils prennent l'eau sur des erreurs individuelles. Là, ce soir, ils sont clairement battus collectivement pendant 90 minutes. En plus, on le dira après, mais face à une équipe qui, elle, propose quelque chose de très élaboré au niveau tactique. Je fais juste un petit saut sur le chat Elton, parce que, bon, il y a eu cette petite, on va dire, ce petit début d'émission assez folklorique qui nous a pas forcément permis de leur dire bonjour à tous. Ils sont 750. Voilà, il est minuit et demi dans le club des 5, 750 sociaux sans simultané. C'est très fort, c'est pas mal. Les gars, je vois pas mal de messages qui sont super intéressants. Bon, certains parlent d'arbitrage, donc je vais pas pouvoir... les cités, vous connaissez un peu le credo, mais on commence petit à petit à nous parler de Lyon. Depuis tout à l'heure, je vois les messages défiler, je ne peux pas forcément citer tout le monde parce que ça va très vite, et on nous parle de l'OL. Donc moi, j'ai envie de vous poser la question, les gars, on se la posera avec l'Atalanta également. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de voir la Juve? Alors c'est peut-être loin, demain c'est loin, comme dirait un certain éditorialiste assez sympa, mais est-ce qu'il faut s'inquiéter, Walid? Non, moi je reste sur le même fusil d'épaule que j'avais mercredi, où je pense que la Juventus sera beaucoup plus près physiquement, aura beaucoup plus de matchs références. Je pense qu'un match comme ce soir, même s'il n'a pas été fameux, il va leur servir contre Lyon. Lyon est sur quand même 5 mois d'inactivité en termes de... Bon, il y a eu le match contre Nice, il va avoir la finale contre le Paris Saint-Germain, mais c'est trop peu pour moi pour avoir une vraie dynamique. Alors est-ce qu'ils peuvent faire un coup? Pourquoi pas? Mais je pense que la Juve aura beaucoup plus de certitude, même si c'est pas fameux. Juste dans l'aspect physique, faudra pas oublier que la Juve terminera son championnat le 2 août et que le match sera le 7. Ils vont enchaîner. C'est pas comme si tu vois le Bayern, ils vont avoir un mois de et ils terminent par la AS Rome. Ils terminent pas contre Regina. Ils terminent face à quand même une belle équipe de Serie A, ce qui va te permettre de mettre l'intensité nécessaire. Ils vont sortir normalement, si tout va bien, d'une petite fête avec le titre, oh, c'est super, etc. Maintenant, on va se concentrer sur ce huitième de finale. On va voir l'équipe type. Je pense que Pjanic sera là. Je pense que Dybala sera là. Ronaldo aussi, De Ligt, Bonucci. Voilà, tout le monde sera focus, pour reprendre un modèle Elton Mokolo, sur ce rendez-vous-là. Et moi, sincèrement, je me fais pas beaucoup de soucis. Tu te fais pas de soucis, Walid. Elton, on se fait pas de soucis, ok, mais est-ce qu'on peut d'ores et déjà peut-être se demander si la Juve va avoir le temps de rectifier les soucis qu'on a vus aujourd'hui? C'est ça l'enjeu aussi. On parle d'être prêt ou moi, pas. Je pense que ça suffira pour Lyon. Après, pour la suite, là, je suis d'accord avec toi. C'est dur de se projeter, mais au final, on voit quand même des choses sur lesquelles on peut pas rester, entre guillemets, insensible. Elton, est-ce qu'ils auront le temps, selon toi, de régler, de peaufiner ce qu'on voit aujourd'hui? C'est pour ça que j'attendais énormément de cette semaine, à savoir que j'ai eu la confirmation que cet effectif est encore trop juste qualitativement. Je m'explique. Dès qu'il y a un joueur phare qui n'est pas là, tu sens la perte qualitative. C'est-à-dire que Dybala
De Ligt ne sont pas là à Milan, t'es déficitaire dans les deux surfaces. Pjanic n'est pas là le soir où t'as une équipe qui va t'imposer un pressing très intéressant. Tu vois bien, Bentancourt, c'est pas un régista. C'est pas un gars qui est capable de ressortir les ballons pour comment. Il joue un peu contre nature. Voilà, il joue le seul, ça a été Rabiot aujourd'hui. Hein, ouais, qui a réussi un petit peu à sortir du contre-pressing. Ouais, voilà. Entre Matuidi et Bentancourt qui a été pris dans l'étau, bon, il a fait un peu mieux en deuxième mi-temps. C'est pas possible au niveau. Tu vois bien très que, bon rappeur, tu vois bien que là où Pjanic est très important, c'est dans la faculté à amener son équipe de son propre camp au camp adverse, parce que ça a beau être quelque chose de basique, mais la relance, à partir du moment où tu arrives à faire en sorte que ton équipe se construise par la passe, la Juve transite plus rapidement dans le camp adverse. À partir du moment où tu arrives à dépasser le premier pressing de l'Atalanta, c'est nettement mieux. Là, à partir du moment où tu étais dans la NAS pendant la première mi-temps, c'était très compliqué. Mais les 30 premières minutes, Elton, tu sors pas tes 25 mètres. Tu n'arrives pas et c'est à pas toucher Ronaldo. C'est et à un moment donné, est-ce que sur les 10 dernières minutes, c'était un peu mieux parce qu'ils usaient de jeux longs c'est ça dans le dos de la défense sur Palomino. Tu l'avais à un moment donné, c'était caricatural. Dybala, il fait 1m70. Ouais. Tu balances des longs ballons sur lui. À un moment il est capable de faire des contrôles porte-manteau, mais il n'y avait aucun sens, parce que si t'es pragmatique, si t'es logique, tu vois bien que Dybala, il va pas aller te gagner des ballons face à Justement, vous parlez, les gars, de Lyon. Moi, il y a aussi un joueur, je trouve, qui fait débat dans cette équipe de la Juve. Et sur le chat, les sociaux sont un peu de cet avis. Ça débat beaucoup autour de Bernardeschi et de sa performance. C'est vrai que lui, sa place dans l'effectif Juventini est souvent remis en question. Comment vous l'avez trouvé ce soir? Est-ce qu'on est dans la neutre, lignée de. Neutre. Je trouve pas qu'il y ait une plus-value immense. Je comprends pas pourquoi Douglas Costa ne démarre pas. Bon, je le disais déjà quand il y avait Allegri à l'époque à la Juventus. Il l'utilisait beaucoup en playmaker à la 60e pour faire changer les matchs. Là, c'est exactement la même chose avec Sarri. Je vais pas changer de discours. Je comprends pas pourquoi Douglas Costa ne démarre pas aujourd'hui dans un match comme celui-ci. Bah justement, moi j'ai eu un débat avec des tifosi de la Juve. Et il y a une théorie qui est en train de prendre du poids, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un manque qualitatif, notamment du côté du banc de la Juve, ils n'écartent pas l'idée que Douglas Costa vient dans un rôle de joker pour ne pas affaiblir l'équipe. C'est-à-dire que si on est sur une configuration Naples où Douglas Costa démarre, et qu'à partir du moment où t'es pas en mesure de contourner le bloc napolitain, tu perds en qualité à partir du moment. Exactement, à partir du moment où tu as des adaptations à faire. C'est-à-dire que Douglas Costa, il sort, mais derrière, qui rentre? Tu vois bien, c'était Danilo, c'était le premier changement. Donc, c'est la théorie qui commence à prendre de l'ampleur, à savoir que Douglas Costa, est-ce qu'il serait pas mieux dans un rôle de joker? Mais ça date pas d'aujourd'hui, ça. Ça date pas d'aujourd'hui. Mais là, encore une fois, prend quand même une ampleur là où on se dit. Mais... Voilà, Bernardeschi. Bernardeschi, à la limite, met un numéro 9, mais Higuain, quoi. Même si, moi j'ai trouvé que Higuain, même, il a pas fait un énorme match contre le Milan AC, mais il était important dans cette capacité à avoir un poste clé. Où il va prendre un joueur, deux joueurs, il va libérer des espaces pour Ronaldo, pour Dybala, tu peux t'appuyer sur lui. Moi, personnellement, il y a deux mecs que je comprends pas dans l'animation offensive côté Juve, c'est Bernardeschi et Ramsey quand il rentre. Ah, Ramsey, c'est rentré. Oh, Ramsey, c'est rentré. Bernardeschi, les gars, c'est des joueurs trop neutres. Je me permets de le dire, hein, parce que je vois ce que vous ne voyez pas sur le chat, et c'est unanime, hein, que ce soit Crimo, Antoine, Ricky, il y a énormément de d'habitués sur le chat, Samuel, Ulrich, qui nous parlent de Bernardeschi, et tout le monde est unanime, c'est compliqué pour... sa place est complètement remise en cause. Là, tu prêches un converti, moi, dans l'absolu, moi, tous les jours, je mets Douglas Costa dès le début, mais maintenant, à partir du moment... Il y a même des hashtags Free Douglas Costa qui émergent. Oui, mais à partir du moment... Du chat. Tu vois, Bilal, on est par exemple sur une configuration, on parlait tout à l'heure de l'Olympique Lyonnais, t'es sur une configuration, bon, allez, à 0-0, il peut y avoir 0-0 face à l'Olympique Lyonnais à l'heure de jeu, sur le 8e de finale au retour. Est-ce que tu peux te poser la question, Bernardeschi, il va être en capacité d'apporter quelque chose en sortie de banc? Il l'a fait contre l'Atlético Madrid l'année dernière. Ouais, mais voilà. Non, mais il débute face à Atlético. Il débute face à Atlético. Donc, ça, c'est des éléments à peser. C'était Moïskine qui était rentré. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, encore une fois, on en revient à l'éternel problème, parce qu'on parlera tout à l'heure du FC Barcelone, mais c'est la même chose pour la Juve, c'est la planification sportive. À partir du moment où tu as une équipe qui est peut-être
énorme quantitativement parce qu'ils ont 25 joueurs au point qu'ils étaient capables de mettre Emre Can hors de la liste de la Ligue des Champions. Mais à côté de ça, qualitativement, tu as des manques. C'est-à-dire, encore une fois, en latéral gauche, Danilo, c'est pas ça. Il n'y a pas que Danilo. C'est ça. Matuidi, Chesney, il n'est pas au niveau de l'an dernier, il y a deux ans. C'est ce qu'on explique. Il est trop facile d'intégrer le 11 titulaire de la Juve. Et ça, c'est un problème quand tu es octuple champion d'Italie. Ouais, forcément, ça pose la question de la concurrence, aussi de la compétitivité. Elton, la tension monte pour la Juventus, parce qu'il y a des échéances, la tension monte et la pression monte également sur le chat, puisqu'on est passé de 700 à 900 personnes. Par contre, il n'y a que 167 likes, et ça, c'est trop peu quand même, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Walid Elton, 167, c'est assez... C'est décevant. C'est décevant. Donc, je vous invite, les socios, à continuer de liker l'émission, évidemment, et la vidéo, en l'occurrence, ça permet évidemment toujours d'être bien référencé et d'être encore plus nombreux, parce que là, il se passe quelque chose. On est en train de débriefer, mine de rien, les deux adversaires de Lyon et du PSG en Ligue des Champions. Donc, il se passe quelque chose, les gars. On va s'arrêter, évidemment, sur l'Atalanta Bergame. Walid, Elton, c'est la question du soir. Question autour des failles de l'Atalanta, équipe dont on a loué les mérites semaine après semaine. Et on a toujours l'impression que l'avance est de plus en plus importante pour l'Atalanta Bergame. On le voit semaine après semaine. Ils sont à chaque fois plus impressionnants, Elton. On a vu aussi des failles sur les derniers matchs, notamment par rapport au but encaissé. On sait que c'est la 7e défense seulement de Serie A. On va ensemble décrypter déjà leur performance du jour, Walid, et puis ensuite on évoquera les points faibles de l'Atalanta, s'ils existent. Moi, je les ai trouvés impressionnants encore ce soir. Les 30 premières minutes, c'est... Moi, je le dis souvent, c'est pour moi la plus belle équipe d'Europe. Je trouve que par rapport, encore une fois, à la composition d'équipe, je vais refaire, on le fait souvent, hein, Jim City, Palomino, Toloi, Atebauer, Froler, De Roon, Castagne, Gomez, Zapata, Ilicic. Quand tu vois le nom des joueurs, tu parlais de problèmes qualitatifs côté Juve, qu'est-ce qu'on devrait dire à la base pour Gasperini. Et quand tu vois ce qu'ils mettent en place dans le pressing, dans le contre-pressing avec ballon. Hyper Gosens 10 minutes avant le coup d'envoi. Exactement, qui est quand même l'un des buts en Serie A. Ouais. Voilà, c'est quand même une petite plus-value dans le collectif de l'Atalanta. T'as Castagne qui arrive et qui fait son match, ça joue sur les côtés, il y a une verticalité, t'as Gomez qui joue dans un fauteuil, aujourd'hui ça a été le meilleur numéro 10 argentin sur le terrain, et il en a quand même un autre en face qui est pas mal cette saison, c'est dire, tu sais pas c'est quoi son poste, il est illisible, il est entre Ilicic, il est entre Freuler, il demande énormément, il est disponible, c'est lui qui fait la passe clé pour Zapata, alors bien entendu on va pouvoir peut-être parler des errements défensifs, mais je pense que c'est voulu. Je pense que Gasperini cherche ce déséquilibre constant, il va chercher à la gorge une Juventus parce qu'il sait très très bien, je pense qu'il a analysé aussi que Matuidi et Bentancourt quand ils vont avoir le ballon, bah, ça va être beaucoup plus difficile et ils peuvent exploiter cette faille là, ils l'ont fait contre la Lazio, ils l'ont fait sur les derniers matchs notamment contre l'Udinese, à chaque fois que cette équipe, aujourd'hui ils font match nul, il y a beaucoup de regrets, mais que cette équipe perde, gagne, même s'ils font match nul, il y a du football. Mais ils arrivent avec leur certitude. Ils arrivent, encore une fois, avec leur football. Ils arrivent quand même... C'est pas le Stadio dei Alpi. Bon, bien entendu, c'est l'Allianz. Mais ils arrivent dans un Allianz vide. Ils sont pas perturbés, les mecs. C'est le même match. Moi, sincèrement, en ce moment, en Europe, je coche à chaque fois l'Atalanta pour les regarder. Tous les week-ends. Qui jouent Lecce, Udinese, etc. Je vais les cocher. Mais je vois le même dispositif. Je vois, la même fougue, la même insouciance. Ils jouent la Juventus. Et puis surtout, Walid, c'est la même idée de jeu à chaque fois qu'ils retranscrivent. À un moment donné, ils étaient deuxième à 6 points virtuellement pendant le match. Mm-hmm. Et même à un partout, quand tu prends ce but sur penalty, tu dois prendre un coup de casque à un moment donné. Mm. Non, ils repartent au combat. C'est ça, parce qu'il y a match nul, mais finalement, dans les intentions, s'il y a une équipe, s'il y a une équipe qui a été entreprenante et qui est allée chercher le résultat, c'est plutôt l'Atalanta que l'inverse. Et puis, il faut parler du coach, Gasperini, qui fait encore une fois les bons choix. On parle quand même Adrien Tamez, Malinovski qui rentre. Justement, on va parler de Malinovski, Walid. Avant ça, j'aimerais qu'on s'arrête sur Papou Gomez. Il insuffle quelque chose d'autre. On va s'arrêter un peu sur quelques individualités. Là, on est dans les éloges parce que c'est important. Quand on dit quelle faille pour l'Atalanta, c'est déjà une manière de dire que si on se pose la question, c'est qu'elles ne sont pas forcément apparentes, ces failles-là. Elton, parlons de Papou Gomez. Il a encore une fois été très bon. On parlera de l'entrée ensuite de Malinovski. Comment tu l'as trouvé? En tout cas, quel est pour toi son impact sur ce genre de match au rendez-vous? On sait que c'est un joueur qui a peut-être plus d'expérience que les autres
dans cet effectif et il est encore une fois excellent. Son impact, c'est un joueur qui donne le plus de clarté à son équipe, je m'explique. C'est-à-dire qu'on voit bien, on ne le voit pas nécessairement dans les stats, mais au niveau des dribbles. C'est-à-dire que notamment l'an dernier, c'était le meilleur dribbleur d'Europe. On sait très bien que l'Atalanta, c'est une équipe qui est capable de progresser par la passe, avec les relances, etc., avec les pistons qui sont positionnés très haut de manière à recevoir le ballon dans les espaces. Mais dans les espaces plus compactés, enfin plus comprimés, Papu Gomez, lui, il est capable justement d'avoir cette vista, d'avoir cette capacité à percuter avec le ballon et de faire avancer son équipe. Il le disait d'ailleurs dans une interview à El País, lui, il aimait bien être dans ces zones-là pour justement être en mesure de dribbler. C'est un ou deux joueurs et ça va faire la différence parce que derrière tu vas pouvoir trouver des supériorités numériques à partir du moment où tu as dribblé deux joueurs, parce que le dribble il est très intéressant si derrière il y a une continuité derrière. Exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dribbles un joueur, la finalité c'est d'avoir cette notion de supériorité numérique, parce que très souvent on s'attarde sur le dribble comme quelque chose d'esthétique. Papu Gomez, lui, il explique bien dans El País. C'est le dribble qui apporte une solution. Exactement. Là, lui, il explique bien dans El País. S'il dribble, il faut derrière qu'il ait cette notion de supériorité numérique qui profite à son équipe. L'exemple du premier but est typique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est capable d'avoir trois joueurs sur le paletot, c'est Zapata qui est en position d'homme libre. Et donc, c'est en ça qu'il est très important. C'est en ça qu'il est important. Wally, c'est difficile dans une équipe qui est aussi collective de sortir des facteurs X, des joueurs qui émergent, parce qu'on a cette impression de fluidité en fait, dans l'effectif de l'Atalanta. Mais Papu Gomez, il incarne aussi quelque part, comme disait Elton, cette clarté, cette organisation qu'on a plaisir à regarder tous les week-ends. Moi, je suis fan de ce joueur. Je suis fasciné. Alors, bien entendu, on le connaît depuis très très longtemps, 4-5 ans. Il fait une saison, je crois que c'était en 2014. Ah, il est expérimenté. 2014-2015, il avait fait 16-10. Il avait mis 16 buts, mais il jouait dans un rôle beaucoup plus excentré. C'est ça la clé. Il était ailier. Mais aujourd'hui, tu vois le joueur qu'il était et le joueur qu'il est devenu. La palette, comment elle s'est étoffée. Moi, je vais peut-être dire une connerie, mais quand je vois Papu Gomez, je vois un Messi chapeau 3, chapeau 4. Dans le fait de gérer les temps forts, les temps faibles et de pouvoir se positionner dans les 25 derniers mètres et voire plus bas. Tu sais, le Messi un peu 8, 10, mais capable d'apporter et d'être dans le bon tempo à chaque fois. Alors, bien entendu, il n'a pas son talent. Bien entendu, il n'a pas sa capacité à faire d'énormes différences sur la prise d'initiative et sur les premiers mètres. Mais tout ce qu'il fait, c'est intelligent. Mine de rien, il est quand même à 11 buts, on se passe des. C'est pas neutre. On va en parler tout à l'heure. Il y en a un qui te fait 22-20, l'autre qui te fait 11-11. C'est pas mal. Mais dans une équipe bien moins bonne. Et puis surtout, moi, je trouve que c'est un humain. Il est humain dans son jeu, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de choses extraordinaires, mais tout ce qu'il fait, c'est dans le bon sens du jeu. Tout ce qu'il fait, c'est là où le jeu respecte. Là, encore une fois, le premier but, c'est lui qui, prise de décision, je donne le ballon dans le bon tempo à Zapata, mais c'est lui qui a fait la différence. Ouais. Le match contre l'Udinese, il donne un ballon à Zapata. Alors, bien entendu, derrière, Zapata, il a une finition incroyable, mais c'est lui qui voit l'espace. C'est lui qui la donne en première intention. Et la qualité technique qu'il a, elle est énorme. Sincèrement, moi, j'adorais déjà l'ailier, mais son repositionnement. Moi, des fois, je regarde Elton, on regarde l'Atalanta, on est à la rédac. Je dis, mais c'est quoi son poste, Elton? Sincèrement, tu vas le voir à côté de Rune, tu vas le voir à côté de Pazalic, tu vas même le voir, des fois, dans l'espace libre entre le latéral et le défenseur central. Avec le piston, ça dure soit Castagne, soit Atebauer. C'est incroyable. Mais en plus, il fait pas ça avec une intensité folle. Il se déplace en chaussons. Tout en intelligence. C'est vraiment, moi, franchement, je suis pas objectif sur le joueur parce que je suis vraiment fan. Il y a un joueur aussi. Alors, on le disait, c'est une machine collective avant tout, l'Atalanta. Donc, forcément, on va pas évoquer tout le monde. On aurait pu parler de Zapata également, qu'on a l'habitude de décrypter dans le cadre des 5. 15 buts, Zapata. 15 buts également. À noter très bon. Il fait pas les 6 premiers mois, Zapata. Ouais, à noter que pour la première fois depuis la saison 1951-1952, il y a trois buteurs qui sont au-dessus de 15 buts dans la même équipe. Exactement, et ça c'est intéressant. Il y a City qui en a placé 5 en Angleterre. Muriel, Zapata et Papu Gomez. Non, illicite. Ouais. Dis plus de. Ok, je crois qu'il avait dit plus de 10, Elton. Non, plus effectivement, il y a un autre joueur sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête parce qu'il est entré en jeu et que ça apporte une dynamique, Walid, qui est différente, parce que ça montre également la profondeur du banc. Cette équipe de l'Atalanta, elle se distingue par un ce type, elle se distingue aussi par la profondeur de banc. On l'a vu avec Malinowski aujourd'hui, Walid, 5 duels gagnés, un but, une efficacité. Alors, et puis surtout dans le jeu, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on l'a vu, mais très intéressant et très entreprenant, un peu à l'image de son équipe. Alors lui, il sort de nulle part. C'est-à-dire qu'il vient de Genk, je ne le connaissais pas du tout. Les 6 premiers mois,
Ils jouent, mais tu sais, quand tu... Ils en ont sorti des sacrés joueurs ces dernières années, Genk. Ah ouais, bah entre Koulibaly, De Bruyne, Milinkovic-Savic, on doit en oublier beaucoup. Mais quand on voit, sincèrement... Courtois. Ouais, Courtois, mais quand on voit Malinovski, les six premiers mois, tu sais, quand tu regardes l'Atalanta, il y a énormément de joueurs, Bilal. Voilà, t'as deux, trois vedettes, hein, enfin, si on peut appeler ça des vedettes, Ilicic, Papou, mais tu sais, t'as beaucoup de joueurs qui passent, qui sont dans la rotation et tu retiens pas leur nom. Et puis, c'est pas flagrant parce que c'est un collectif très très fort. Donc, Malinovski, les six premiers mois, il a fait quelques matchs, il a fait quelques entrées, mais là, depuis le restart, mais pour moi, c'est l'homme de l'Atalanta. Déjà, il avait fait un match contre la Lazio incroyable où il te met une mine, mais pas que la mine, hein. Clairement, dans son jeu, moi, je pense que c'est le prochain Ilicic. Peut-être pas dans le même style, mais il joue numéro 10 très très haut, il a une force de frappe incroyable, et puis même tu sens qu'il est, c'est un faux lent, au début tu penses qu'il est pas fin techniquement, mais il te fait des différences sur le premier contrôle, sur les courses qui sont très très intéressantes. Moi sincèrement je l'ai vu, le dernier match ils ont joué contre Cagliari ou Genoa, Cagliari, ils jouent contre Cagliari, il avait fait énormément tourner, c'était lui qui jouait titulaire, ça avait été l'un des meilleurs, il avait frappé à plusieurs reprises contre l'Udinese sur le 3-2 où il avait été très très bon, et ce soir encore une fois son but, il est plein, à l'image de l'équipe, il est plein de personnalité, et surtout il rend la confiance du coach, à l'image de Tamez qui a fait aussi une très très belle entrée. Ils ont insufflé quelque chose de nouveau quand d'autres, notamment à la Juventus type Ramsey, n'ont pas réussi à insuffler autre chose. Lui vraiment, on risque de le voir que ça soit en sortie de banc avec les 5 changements notamment en Ligue des Champions ou d'entrée contre le Paris Saint-Germain, il va falloir s'en méfier. C'est vrai que ce qui marque Elton avec l'entrée de l'Ukrainien, c'est que on se dit pas que cette équipe est capable d'apporter encore plus de folie dans son jeu. On sait que le 11 type en apporte déjà beaucoup. Et là, sorti du banc, il y a encore des cartouches intéressantes à jouer. Est-ce que toi, tu as agréablement surpris Malinovski aujourd'hui ? Oui, je l'ai apprécié. Mais après, c'est dans la continuité de ce que veut Gasperini du côté de l'Atalanta. Parce qu'on n'a pas parlé d'un joueur, mais par exemple, Luis Muriel, il incarne typiquement cette idée également, que tu dois apporter cette plus-value en fonction de ta sortie du banc. Et c'est une phrase que Diego Simeone dit, c'est pas la quantité des minutes qui compte, mais la qualité des minutes. Et Malinovski incarne typiquement ça, parce que ça peut être une arme très intéressante dans la mesure où tu sais qu'on arrive en fin de partie, les équipes sont davantage fatiguées, l'Atalanta aura davantage d'opportunités, et lui, par son tir extérieur, il est capable d'apporter ça, il est capable d'avoir cette capacité d'intimidation qui fait que si tu sors pas sur lui, ça va faire feu. Et tu l'as vu face à la Lazio, tu l'as vu encore ce soir, c'est une arme qui est très très intéressante en sortie de banc. Reste à voir si dans le futur, il aura davantage de continuité en démarrant. Pour s'installer. Pour l'instant, là, c'est une première saison. Donc, voilà, exactement, c'est les cartouches supplémentaires de l'Atalanta. On va passer peut-être aux limites, aux quelques limites qu'on a vues aujourd'hui. Parce que mine de rien, l'Atalanta revient sans la victoire. Et ils auraient pu, s'ils l'avaient emporté, ils auraient pu revenir à 6 points, pardon. Emporter 2 points de plus et revenir à 6 points de la Juve en Serie A. Ça aurait été pas mal pour la fin de saison. C'est pas le cas. Défensivement, sur le chat, on nous pointe beaucoup peut-être un futur recrutement de défenseur. On nous dit que c'est le secteur de jeu sur lequel l'Atalanta est le moins confiant, j'ai envie de dire. 7e défense de Serie A, on le disait tout à l'heure, Walid. C'est un peu le point faible de l'Atalanta. On sait qu'ils ont eu pas mal de scores assez des 3-2 en Serie A. Moi, j'ai le souvenir de pas mal de matchs où ils courent après le résultat. C'est du football plaisir, mais c'est aussi parfois du football risqué. Ouais, après, ils ont bien entendu les défauts de leur qualité. Ils prennent un jeu très très offensif en essayant d'aller chercher très très haut l'adversaire et en les asphyxiant. Et si on l'a vu notamment sur la première mi-temps contre la Lazio, si les joueurs au milieu de terrain réussissent à sortir du pressing, bah, tout de suite les défenseurs sont en danger parce qu'ils sont en un contre un, voire en deux contre un, et ça peut aller très très vite. Maintenant, si on regarde le match de ce soir et même le match contre Cagliari, ils sont pas en danger plus que ça. Aujourd'hui, c'est quoi les grosses occasions de la Juventus? Alors bien entendu, ils font des fautes d'inattention, et c'est là où il va falloir être très très fort, parce qu'en Ligue des Champions, notamment sur un match, c'est la compétition de la peur, comme dirait Elton Mokolo. Je l'écoutais hier, je crois que c'était sur une émission, je connais pas, c'est sur YouTube, mais il va pas falloir Les équipes sont sympas. Voilà, il va falloir être très très attentif à ça. Maintenant, bien entendu que c'est une équipe qui est perfectible. Bien entendu, c'est une équipe qui a des défauts, comme toutes les équipes. Selon toi, ce serait quoi le principal défaut ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que à partir du moment... L'inexpérience, l'insouciance. Exactement. Et surtout, à partir du moment où tu réinverses le rapport de force dans le pressing. Si tu as de la qualité au milieu de terrain, parce qu'on va parler du PSG, si on est à la qualité au milieu de terrain comme Paredes et Verratti pour jouer long, jouer court, très très rapidement, tu peux les mettre en danger. Par contre, si tu as un Idrissa Gueye façon Dortmund à l'aller
qui a un peu pris au piège, qui a du mal, qui éteint la lumière dans son cerveau, bah là, ça peut commencer à devenir compliqué. Et ça démarre de défenseur. Hein. C'est-à-dire que même un Kimpembe, par exemple, tu lui mets un Zapata aujourd'hui, De Ligt, je peux dire qu'il est rentré à la maison. Et pourtant, il ne fait pas un mauvais match. Hein. Il a dû dire à sa femme, eux, j'espère ne plus les jouer. Lui, là, Duvan Zapata, là, j'espère ne plus le jouer. Donc ça aussi, ça va être aussi important. Et puis, là où, par rapport au rapport de force au PSG, c'est comme Lyon tout à l'heure, c'est l'intensité. C'est-à-dire que c'est là où, moi, je vois une équipe qui, pendant 95 minutes... N'a rien lâché. Ne lâche rien. Que ça soit de la première à la 90e. Donc, on parle des failles. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de qualité, de certitude dans cette équipe, plutôt que... D'ailleurs, c'est ce qu'on disait, c'est que si on pose la question de... Quelles sont les failles, c'est qu'on les traque, qu'on essaye de savoir comment cette équipe... Après, il y a le facteur gestion d'émotion, toujours important dans les gros rendez-vous, bien entendu. Mais ça, encore une fois, le facteur gestion d'émotion, on a dit la même chose pour l'Ajax l'année dernière. Ça va être le contexte de toutes les équipes. Walid, sur le chat, dites-nous, les socios, puisque c'est la question du soir, quelles sont selon vous les failles de l'Atalanta Bergame? C'est important, parlez-en sur le chat. Moi, je vais essayer de relayer un maximum vos réactions. Et puis après, sur le replay de l'émission, pour ceux qui nous regardent demain, après-demain, continuez. Évidemment de mettre vos avis en commentaire du replay puisqu'on essaie au maximum d'y répondre quand c'est constructif, donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas on les lit tous, on n'a pas l'occasion de répondre à tout le monde parce que certains ont des rythmes un peu décalés, hein, et puis on n'est pas toujours on n'a pas toujours les petites notifs, mais en tout cas on essaye de tous les lire. Elton, Walid parlait d'insouciance, c'est vrai que finalement erreur défensive, insouciance, ça va un peu de pair. Est-ce que tu es de cet avis, est-ce que tu penses toi aussi que l'Atalanta doit gagner en concentration parfois? Et on se met dans l'optique du PSG puisque c'est un match qui va arriver aussi très rapidement. Est-ce que l'intensité peut être le facteur? Moi, je voudrais davantage contextualiser, à savoir que ça va mettre en corrélation avec la manière d'attaquer, parce que le football, c'est un tout, c'est quelque chose de global. On ne peut pas séparer défense et attaque. Et quand je dis que ça va mettre en corrélation avec leur manière d'attaquer, il ne faut pas oublier que les défenseurs de l'Atalanta, dans la manière d'attaquer, ils couvrent énormément de terrain. Je m'explique, ils se comportent comme des latéraux. C'est quelque chose qui est un peu contre-culturel dans le monde du foot. Traditionnellement, on a le défenseur central qui va donner au latéral et qui va rester dans une position bien rigide. Là, on sait que Etoloy et Jimisti sont capables de se démultiplier et de passer sur le côté pour faire office d'homme libre sur les côtés. Et ça, d'ailleurs, tu le vois sur la position moyenne, c'est évocateur, c'est quasiment des latéraux. Et ça... ça peut être quelque chose d'exploitable pour l'adversaire. Pourquoi ça va amener vers la deuxième chose? Et pourquoi je dis que le football est un tout et quelque chose de global? C'est notamment sur la manière de défendre. On sait que l'Atalanta, par rapport à ce qui est fait traditionnellement, c'est-à-dire que tu vas attaquer sur un bloc médian comme la Lazio, c'est-à-dire que tu vas attendre pour cibler une zone où elle est pressée, l'Atalanta, c'est tout de suite marquage individuel. Et ça, si tu arrives à contourner ce premier rideau et que tu arrives à trouver des joueurs entre les lignes, c'est là où ça peut être dangereux pour l'Atalanta. Mais c'est important le site arrive. Parce que moi, le Napoli... C'est ça, le Napoli, c'est une condition. Sur les trois dernières semaines, le Napoli n'y est pas arrivé. Où il gagne 2-0 et il n'y a pas eu d'énormes occasions pour le Napoli. La Juventus n'est pas arrivée aujourd'hui. La Lazio, ils sont arrivés sur 20 minutes et derrière, ils ont pris l'eau. Donc ça aussi, c'est hyper important. Parce que moi, on me dit, moi, bien entendu, que Neymar, Mbappé, si tu les mets en 1 contre 1 ou en 2 contre 1 sur Jim City et Palomino, ça peut faire popcorn. Mais il faut les trouver. C'est la même chose qu'on avait dit avec Dortmund, notamment à l'aller, où à partir du moment où le milieu de terrain est asphyxié, Neymar et Mbappé, ils ont eu combien d'occasions dans le match? Ils ont été en très très grande difficulté, le Paris Saint-Germain. Donc ça aussi, ça va être très important. Par exemple, on a vu des séquences où la Juve, pour essayer de contourner le pressing de l'Atalanta, il faisait le latéral droit, c'était Cuadrado, qui allait chercher Danilo, de manière à faire des changements d'aile, parce qu'il ne trouvait pas des solutions à l'intérieur du jeu. Et ça va être ça, toute la question, tout le défi pour les Parisiens, c'est-à-dire avoir des joueurs parisiens qui sont capables de désorganiser le pressing. Et moi, par exemple, à titre d'exemple, par rapport à un hypothétique tirage au sort, j'aurais bien aimé voir l'Atalanta face au Real, parce que là où ils sont forts, le Real, c'est qu'ils ont des joueurs qui sont capables de désorganiser le pressing avec ces joueurs qui sont type Modric, qui est capable de casser un pressing à lui tout seul. Et ça peut être très intéressant pour le PSG. Après le PSG a les joueurs pour, je pense. Pour casser du bord. Plus bas. Ouais. Plus bas, moi j'ai dit. Un Paredes et un Verratti, je pense qu'ils ont la capacité pour le faire. Après, est-ce qu'ils vont le montrer? C'est autre chose. Ça peut être une clé, puis ça dépendra aussi du plan de jeu de Tourelle. Thiago Silva peut le faire.
faut voir si, après, des joueurs comme Paredes seront alignés après, à quel rythme, ou pas. À quel rythme, à quel rythme, parce que les gars, c'est d'accord, vous nous avez passé une fois, on va revenir la deuxième fois. Ah oui. Vous nous avez passé une deuxième fois, on va revenir la troisième fois. Et le premier qui va craquer, là, on va voir. Il y a un côté rouleau compresseur. Ça fait c'est très bagarre de cours d'école, ce que tu viens de dire. Ah, mais Elton. De toute façon, mais le football, c'est un rapport de force. Ouais, exactement. C'est même une métaphore box, comme le disait Tyson. Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'on se frappe sur la figure. C'est pareil dans le foot. C'est là je la garde. Celle-là, elle est excellente. Je la sortirai dans ma prochaine bagarre avant de. Je dis, t'as peut-être un plan, mais mais voilà. C'est excellent, Elton. Merci beaucoup. Merci pour ce que tu es. D'ailleurs, sur le chat, hein, vous nous dites, certains ont la lucidité de dire que la seule faille de l'Atalanta, c'est qu'Elton ne soit pas dans leur équipe. Je crois que vous n'avez pas vu Elton jouer au foot. Il en parle très bien. Attention, mercredi, j'ai marqué un but. Ah bah ça c'est génial Elton. Le problème c'est qu'il n'y avait pas de match. C'est si foot. En fait le problème c'est qu'il n'y avait pas de match. C'est qu'il jouait tout seul. Stade Paul Favert, j'ai mis le cinquième but pour ma formation. Ah bah excellent Elton, ta formation, c'est une formation de peintre, c'est quoi le... Non, c'est deux équipes. Vous avez vu moi tu dis sur les 15 premières minutes. Bah c'est Elton amélioré. Voilà, non, c'est exactement. Deux équipes d'un très bon niveau et j'ai tiré mon épingle du jeu en marquant un but, certes facile mais en marquant... D'ailleurs, je te tacle un peu, je te taquine un peu, c'est normal, c'est le jeu, c'est le club des 5, c'est un combat de boxe comme tu disais Elton Mokolo. Depuis le début du live, je suis obligé de m'arrêter pour le dire, on salue évidemment ta performance dans les paris du CD5, la victoire de Sheffield, on n'en parle pas aujourd'hui, mais je vois ça depuis tout à l'heure défiler. Elton, merci. Sheffield, je viens d'acheter un appart. J'ai un apport. Grâce à toi, j'ai un apport. J'ai trouvé une meuf. Mon banquier vient de m'appeler. Il est super content. Et franchement, Elton, je pars ça, c'est. Je pars en vacances. Je découvre la mer cette année. Merci. Saint-Tropez. Me voilà. Et Elton, et c'est mon énorme. Comme t'as 6-10. Depuis tout à l'heure, je vois plus de cotes que d'avis sur la question du soir. C'est le jeu, la table. C'est énorme. C'est énorme, Elton Mokolo. Une cote à 6. 10 grâce à j'ai un mec qui m'envoie un message demain, je fais mon premier ciné grâce à lui. C'est énorme. 25 ans. C'est énorme. Premier resto, 27 ans. J'en ai jamais fait. Je vais goûter l'entrecôte. La question, elle est vite répondue. Hein. C'est ça. Chez Phil, la 16-10. Incroyable, incroyable. Merci, Elton. Merci, l'oracle, comme on dit sur le chat. Elton, très bon dans les paris du CD5, un peu moins bon sur un terrain, mais on ne peut pas être parfait. L'humain est top, c'est le plus important. Mais le footballeur, le footballeur moins bien. Tu mets deux doigts dans la bouche, tu vomis. Le parolier est très bon, l'orateur est pas mal. On va se faire peut-être les résultats de Serie A pour retrouver un peu de sérieux, même si la bonne humeur, c'est bien dans le club des 5. Résultats, il n'y en a pas énormément, mais c'est demain que la quantité de matchs va se jouer. La Lazio, on le rappelle, qui a éteint la lumière, comme le dit si bien Walid, défaite de 2-1 contre Sassuolo, qui est en pleine bourre en ce moment. Tu fais bien de le rappeler, bon, Jérémy Elton. L'AS Rome s'est imposé aussi 3-0 assez largement contre Brescia. Le match du soir, vous le connaissez, celui qu'on vient de débriefer, et demain voilà, vous voyez les chocs à l'écran avec ce Naples AC Milan qui va être très intéressant à suivre, avec les Milanais qui reviennent bien également depuis le restart, donc ça va être intéressant. Lundi on aura un Inter Torino en clôture. Petit point également sur le classement, chers socios. Classement, évidemment, vous l'avez compris, qui voit la Juve avancer et distancer la Lazio. Ils sont 3e. 8 points. L'Atalanta, 3e, qui talonne à un point seulement de retard la Lazio, et l'Inter qui ferme la marche. 4e, l'Inter Milan, eux qui étaient à la course au titre pendant quasiment toute la saison, on les retrouve aux portes de la Ligue des Champions, même si, évidemment, ils devraient s'y qualifier. Ça sent pas bon pour Conte. À voir si Conte reste, mais en tout cas, ce que je disais, c'est que après la 4e place, il n'y a quand même pas d'inquiétude à avoir, puisque l'AS Rome est très loin, sur le classement. C'est déjà fini pour ce débat Juventus-Atalanta. On vous rappelle, les socios, la question du soir autour de l'Atalanta. Tout simplement, quelles sont les failles de cette équipe qui va affronter le Paris Saint-Germain pendant que la Juve jouera son quart de finale retour contre l'Olympique Lyonnais. L'Atalanta est-elle une équipe qui a des failles? Si oui, lesquelles? Répondez-y à travers le replay de l'émission. On tâchera de vous répondre. En tout cas, on vous lira, ça c'est sûr et certain. Place au deuxième match de la soirée. On est 1000 sur le chat, c'est très beau. 1000 à 1h du matin. Voilà, il y en a qui vont en boîte, il y en a qui sortent. Il y en a qui se posent devant le club des 5 et qui sont peut-être même en boîte de nuit à ce moment même. Donc, pour le coup, c'est fermé, ce serait sympa. C'est pas faux, Elton, mais je crois que t'as pas les adresses de certains établissements qui vivent un déconfinement un peu plus calme. Je plaisante. On se fait le deuxième match de la soirée. Je parlais tout à l'heure, évidemment, de la course au titre aussi en Liga, qui elle est beaucoup plus resserrée.
pour longtemps, on ne sait pas encore, mais le Barça s'est imposé 1-0 et ne baisse pas les bras. Eux qui tâtonnent une nouvelle fois le Real Madrid, victoire 1-0 sur une réalisation de Vidal et une passe décisive de Lionel Messi, à qui on consacrera évidemment une partie de l'émission en conclusion, parce qu'il vient tout simplement de faire bouger certains records. On ne vous en dit pas plus, même si vous êtes au courant, mais on va s'arrêter sur ce moment d'histoire. D'abord, ce match-là, Elton, qui n'a pas été fameux. Qui n'a pas été fameux dans le contenu, même si le Barça n'a pas forcément été inquiété en première mi-temps. La seconde a été beaucoup plus compliquée pour les Barcelonais, on y reviendra. Mais globalement, ce match, c'est les trois points, mais ce n'est pas une grande réussite. Après, pour contextualiser, les 30 premières minutes ont été très intéressantes. Oui. C'est-à-dire que Quique Setién l'a d'ailleurs rappelé en conférence de presse, Valladolid était disposé avec une défense à 5. On sait très bien que ces dernières semaines, ces derniers jours plutôt, on sait que c'est très compliqué pour le Barça d'attaquer, notamment pour des notions de largeur, de profondeur. Alors Quique Setién, il a expliqué en conférence de presse, il s'est adapté numériquement à la donne, c'est-à-dire que lui aussi, il est repassé à 5, de manière à avoir davantage de largeur, notamment sur la phase de relance. On a vu un Sergio Roberto qui était plus libre, et surtout un Semedo qui était positionné en position de piston. Et c'était là où il a été intéressant, parce que Semedo, c'est pas tant un latéral, mais un joueur qui aime bien se projeter dans le camp adverse dès qu'il a de l'espace, parce que c'était ça la donne exploitée davantage les latéraux, enfin les pistons aujourd'hui, Jordi Alba et Semedo. On l'a vu que ça a été plus probant pour Semedo, notamment sur la première demi-heure, et c'est comme ça que notamment le premier but vient, à savoir qu'on est capable d'exploiter une action sur la droite et Vidal termine. Donc la première demi-heure a été très intéressante, où tu étais en position de marquer peut-être un ou deux buts de plus. Après, il y a eu le cooling break qui a réajusté les choses. On est grosso modo descendu un peu en gamme. Et après, la deuxième mi-temps, dès que Setién a fait les premiers changements, ça a été rideau, à savoir qu'on a davantage regardé vers le but de Ter Stegen. On a souffert jusqu'au bout. La preuve est que Ter Stegen a encore fait une parade très 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 importante et qu'à la fin, t'es cul par terre, tu sais plus quoi faire. Souffrance, Walid, sur cette seconde période. Il y a Antoine LDE sur le chat, il nous dit. Débriefez pas ce match, j'ai failli pleurer du sang à la fin. Non, mais tellement la deuxième mi-temps était compliquée. C'était très très poussif en deuxième mi-temps. Setién finit avec ses quatre latéraux au passage. Moi j'ai toujours pas. Moi il va falloir, Elton, que tu m'expliques les changements encore. J'aimerais bien, mais bon, on va commencer par les 30 premières minutes où j'ai bien aimé l'adaptation tactique, parce qu'il faut en dire du bien. Quand c'est bien, il faut le dire. Le fait que Sergio Roberto soit une fois dans les trois. Comme derrière, au début de mandat. Exactement, une fois un peu dans les trois derrière. Puis derrière, la possibilité d'intégrer le milieu avec Ricky Puig et Busquets et un peu plus haut Vidal, ce qui a vraiment gêné Valladolid et ce qui a permis aussi à Semedo d'avoir des brèches, notamment dans le dos de la défense. Il a besoin d'avoir d'espace, Semedo, pour exister. C'est comme ça qu'on a vu les grosses occasions, c'est comme ça qu'on a vu le but de Vidal, c'est comme ça qu'on a vu la grosse occasion de Griezmann qui m'a tué mon pari à 3-25. mais derrière, en deuxième mi-temps, encore une fois, les changements de Quique Setién, je n'arrive pas à les comprendre. C'est simple, je regarde le match, je me retourne à droite à côté d'Elton, je dis mais... Alors il y a eu un premier changement, on va le voir à l'écran, je vous propose les gars de revoir les changements. Il y a eu le premier d'Antoine Griezmann, alors on l'a su par la suite, blessure pour Antoine Griezmann qui serait incertain pour les matchs restants de la saison. Deuxième changement, l'anglais pour Araujo. Ça c'est blessure ça encore ou pas? On ne sait pas pour le moment, il n'y a pas d'information qui est officielle qui est sortie, on ne va pas spéculer. J'aimerais qu'on poursuive sur les changements. Il y a évidemment la sortie de Ricky Puig, remplacé par Rakitic, qui est déjà un peu problématique, et celle de Busquets, remplacé par Firpo. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment compris la cohérence. On va revenir par ordre chronologique. Alors Griezmann, rapidement, il a ressenti quelque chose, donc ça a pu impacter son match. Et d'ailleurs, d'après les derniers échos de la presse catalane, ça devrait être très très compliqué pour voir Griezmann la semaine prochaine. Parce que ouais, il est touché, il a des douleurs au quadriceps. Donc Clément Lenglet, il était sous le coup, il avait un carton jaune et notamment pour la capacité à défendre tout le terrain, enfin de défendre dans ton propre camp. On nous confirme un risque de suspension pour l'anglais, d'où sa sortie. C'est ça, un risque de suspension. Donc Quique Setién a jugé sage de mettre Araujo, même si ça n'a pas été très probant. Ricky Puig, ça a été un changement tactique pour le coup, à savoir qu'il était peut-être un peu plus fatigué. Mais ça. On parle de fatigue, moi je comprends pas, dans la mesure où il a pas joué face à l'Espagnol. Donc je comprends pas. Il y a des mecs qui sont susceptibles d'être un peu plus fatigués que d'autres, j'ai l'impression. Ouais, voilà, exactement. Et la rentrée de Rakitic n'a pas apporté grand chose.
Ça a été comme d'habitude. Si vous, dans l'absolu, Rakitic, on le mentionne que quand c'est un peu plus extraordinaire que d'habitude. Et Busquets-Firpo, c'était clairement, on va blinder les côtés, il n'y a pas d'autre explication. Et moi, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est-à-dire que si tu mets bout à bout les changements contre l'Espagnol, donc on rappelle les changements contre l'Espagnol, on a quoi ? On a Araujo qui rentre pour fermer la boutique. Pour défendre sous le panier, comme au basket. Exactement, parce que tu as encore cul par terre contre l'Espagnol-Barcelone. Donc Valladolid, 15e au classement. L'Espagnol-Barcelone 20e, on a encore un coach, parce que j'ai l'impression de dire la même chose depuis 3 ans, alors que tu as eu quand même un coach différent et qui est venu normalement avec, des philosophies, avec une autre philosophie, où clairement, moi, il m'a berné, et pas que moi, hein. Moi, je me sens vraiment, quand je regarde Quique Setién, et quand je le répète, quand j'ai vu son Las Palmas... On dirait les paroles d'une chanson de Vita, ce qui vient de non, dire. Non, mais c'est la vérité. Quand je me remémore, je me refais des vidéos des fois. Tu sais, du Las Palmas de Jonathan Vieira. Il avait les mots. Ah oui, il avait les mots. Il t'a rendu accro. Il avait les idées. Ça, c'est Sheriff Anouna, ça. Exactement. Et grand classique. Et rit. C'est-à-dire que tu mets ça bout à bout. Espagnol-Barcelone, Valladolid, tu fermes la boutique. Mais qu'est-ce que tu vas faire contre le Bayern en quart de finale de Ligue des Champions? Mais ceux qui... Naples, mais moi, je pense que tu peux t'en sortir contre Naples. Mais imagine-toi contre le Bayern ou contre City. Mais sincèrement, j'ai envie de... Tu te mets à la place des supporters barcelonais, tu te mets à la place des suiveurs, des observateurs, des amoureux du foot. Il n'y a pas de quoi être super confiant. Mais c'est pas possible, Bilal, sincèrement. Encore une fois, j'ai l'impression, ceux qui nous suivent, qu'il y a 2 ans, je faisais la même chose. L'année dernière, je disais la même chose à chaque débrief de Valverde sur « si tu joues Liverpool, t'es mort ». Là, c'est la même chose. Valladolid, encore à la limite, je l'ai critiqué moi contre l'Atlético Madrid sur le 2 partout. Je lui dis « pourquoi il met un milieu supplémentaire en commençant au Camp Nou alors que tu dois aller chercher le titre ?» Et plus on avance, plus on recule. C'est quoi? Demain, ils vont jouer Ibiza. Il va faire rentrer qui? Il va faire rentrer... il va mettre 5 minutes de terrain. 5 minutes de terrain pour... D'ailleurs, Walid... Moi, je comprends plus rien. J'ai plus les mots. Je vois la deuxième mi-temps, j'ai plus les mots. On parlait des changements. Il y a aussi, moi, quelque chose que j'aimerais mettre en perspective à ces changements. C'est la présence d'Arturo Vidal, encore une fois, qui a été le seul milieu épargné, finalement, de ces changements-là. Il a été buteur. Sa première mi-temps a été plutôt bonne dans la continuité de l'équipe. C'était mieux. Ouais. Finalement, c'est l'un des boulonnables de ce milieu de terrain barcelonais, Elton. Arturo Vidal, c'est peut-être c'est la seule continuité qu'on voit. Est-ce qu'on peut considérer que c'est quelque chose de positif? Ouais, ça reste trop peu. Alors, aujourd'hui, Vidal, oui, il fait un bon match. Curieusement, encore une fois, quand par exemple un Suarez n'est pas là, c'est-à-dire qu'il a davantage d'espace pour attaquer la profondeur. Parce que tu sais très bien que Griezmann, il va pas être le joueur qui va se battre avec les défenseurs centraux, qui va chercher le corps à corps, donc il va redescendre. Et comme la nature a horreur du vide, Vidal va l'exploiter. Et d'ailleurs, tu le vois notamment sur le premier but. Mais après, derrière, on l'a vu qu'il a été dans un registre où il a souffert comme tout le monde. Donc Vidal, oui, sur ce match-là, il s'en sort bien. Encore le meilleur milieu pour moi, c'est Ricky Puig. Hein. Dans les déplacements, dans son jeu avec ballon, sans ballon. Alors, il a eu un peu de déchets, mais dans la prise d'initiative, c'est jour et la nuit. Et même sans ballon. Ouais, mais sans ballon, tu vois l'appel qu'il fait là pour Messi sur le ballon qu'il donne à Griezmann là. Le but FIFA, là, il veut donner un but FIFA. L'appel qu'il fait là, il est vraiment tranchant. Et c'est pas anodin. Tu regardes Busquets, tu regardes Messi. La première personne qu'il cherche, c'est Ricky Puig. Et c'est les deux métronomes de l'équipe. Un peu plus bas, un peu plus haut. Et le mec, il le sort à la 57e. Je te le dis, sur Quique Setién, moi encore une fois, j'étais le premier ici à être hypé. Mais j'ai l'impression qu'un jour, il va rentrer sur le plateau du Club des 5 et tu sais, il va faire le coup du masque là. Non, c'est moi, je suis Valverde en fait. Non, mais tu sais. Comme dans Scooby-Doo. Exactement, tu sais, c'est Ernesto encore. Je vais dire en espagnol, hein, mais il y aura Elton pour nous traduire. Exactement, tu vois. Non, mais ou qu'il arrive en conférence de presse, les gars, vous savez quoi, depuis 6 mois là. Mais c'est pas Quique Setién, c'est Ernesto. Parce que c'est la. Quand tu vois les changements, la philosophie, ce qu'il veut faire, la progression des joueurs, moi je veux bien attendre, hein, si vous voulez, on attend 2 ans et demi. Mais je donne pas du temps à un mec qui met. Il y a quand même des échéances là qui arrivent et qui. Les gars, sincèrement, la première mi-temps de Valladolid, mais ça doit faire 3-4, mais les doigts dans le nez, facile. C'est faible quand même, non, défensivement, Valladolid. Non, Valladolid, pas défensivement, plutôt offensivement. Aujourd'hui, sur la première période, il y a une domination. T'as peur face à ça? C'est un peu compliqué. Elsa, je te laisse le mot de la fin sur cet aspect. J'ai vu un tweet passer comme ça, et je suis d'accord, à savoir que Quique Setién, en ce moment, il compose. C'est-à-dire qu'il est dans l'adaptation permanente, mais en s'adaptant,
il s'éloigne de son fil conducteur, enfin de sa ligne directrice qui l'avait conduit à être coach du Barça. Différent, c'est, à casser un peu les codes. Exactement, c'est-à-dire que quand tu es toujours dans l'arbitrage, quand tu es toujours dans la solution de compromis, au final, tu t'y perds. Mmh. Et donc, on voit bien que. Pas confondre compromis et compromission, Elton. C'est ça. Ouais, bien ça. Là, pour le coup, on est davantage dans la compromission parce que, encore une fois, il y a des gars, ils peuvent jamais sortir. Il y a des changements, c'est toujours les mêmes choses. Donc, c'est pas ceux qui. Comment dire. On parlait de Totem, etc. Busquets sort énormément, sous Kiki Setién, énormément, beaucoup plus qu'un Vidal par exemple. Alors que Busquets, encore une fois, sur la fin de mi-temps, la passe qu'il trouve à Semedo, là, les yeux fermés, c'est lui. On parlait de masque à oxygène pour Puch, lui aussi. Après, chaque entraîneur a ses totems. Au final, c'est un coach qui priorise, peut-être à raison, les points. Parce que là, on est dans une dynamique où il y a un calendrier qui est énormément énergivore. D'ailleurs, il en a perdu quand même 7 depuis le retard. Oui, non, mais ce que je veux dire, mais justement, il a été conditionné par ça. Et maintenant, il se dit, il faut que je prenne les points. Il est sur des calculs beaucoup plus mathématiques que philosophiques, Elton Mokolo. Exactement, moi, je pense que c'est l'hypothèse. Il y a ce constat, évidemment, adressé, même si, je le rappelle, parce qu'il faut aussi recontextualiser, le Barça a gagné. Donc, ils ne sont, sont pas forcément distancés définitivement pour la course au titre. Il y a un joueur sur lequel on va s'arrêter. Alors, il ne fait pas le plus gros match de sa carrière ce soir, mais il y a un constat qui est quand même assez sympathique à mettre en avant. Effectivement, ce joueur-là, c'est Lionel Messi, qui a égalé Thierry Henry sur son record de passes décisives au 21e siècle. Il va faire un double-double-double. Je ne sais pas comment on peut appeler ça le différemment, mais c'est le maxi-double, le double XXL. Après, si je vais un peu trop loin dans les superlatifs, ça peut faire un peu bizarre, mais Lionel Messi a réussi un double-double-double. Et ça, c'est pas anodin parce que, encore une fois, il surperforme, il surstate dans un Barça qui est pas forcément la mariée, la mieux habillée. Tu voulais chercher l'appellation tout à l'heure, tu sais, c'est quand tu vas au Quick ou au McDo. Ah, je pensais, c'est pour ça que j'ai dit XL, double XL. Après, je me suis dit, c'est un peu bizarre. Au McDo, tu dis, je veux un menu doublé, et te dit le maxi. Ah, tu dis, je prends le maxi, lui, il a pris le maxi. C'est-à-dire qu'il y a le 10-10. C'est-à-dire que t'as les deux sandwichs. Et t'as les grandes frites. Exactement. Donc c'est important. En général, c'est pas bien pour la diététique quand même. Ça, faut quand même préciser. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, il faut se faire plaisir. Non, mais il y en a qui tiennent. On a le droit à un type 1000 par semaine. mais moi, c'est 2-3 fois. Mais en tout cas, pour revenir, voilà, il y en a qui te font 1000 par jour. Il y en a qui te font un 10-10. Lui, t'as fait un 22-20. Comme tu l'as dit, j'ai pas trouvé son match excellent, à l'image du dernier. Mais le mec, il fait. Je sais pas, je pense pas qu'il fasse sa meilleure saison. La meilleure saison de sa vie. Mais il a 22 sur 20. Mais il a 22 sur 20 dans une équipe qui tourne pas, dans une équipe qui a changé deux fois de coach, dans une équipe qui est dans un jeu morose. Et pour ceux qui connaissent vraiment le club des 5, on a fait des top 5, Henry, etc. On a tellement été matraqué et marqué dans notre jeunesse par ce 24-20 qu'il a fait en première ligue au poste de numéro 9. Je pense que dans 10 ans, on reparlera de cette stat-là. Elle est folle. Il va égaler et sûrement dépasser le record absolu de Xavi, qui a mis 21 en 2008-2009 ? 2008-2009, ouais. 21 passes décisives. Bon, en 2008-2009, ils avaient quand même une sacrée équipe. Très, très loin de celle qu'on est en train de voir aujourd'hui. D'en parler de la même phrase, ça me donne déjà des boutons. Mais fou, quoi. Fou, c'est all-time. Je pense qu'il a dépassé son propre record, qui était de 18 en 2014-2015. Il l'avait fait aussi, je crois, auparavant. Lionel Messi, extraterrestre. On va pas enfoncer des portes ouvertes, mais ça fait quand même. Il faut quand même s'arrêter sur ce type de performance. On nous demande sur le chat qu'est-ce qu'un double-double-double. En fait, si on parle de double-double quand un joueur 10, atteint 10 passes décisives minimum et 10 buts par saison. C'est vrai que sur une saison de championnat, c'est rare de voir un joueur mettre de doubler le score, c'est-à-dire d'avoir plus de 20 passes décisives ou 20 passes décisives et plus de 20 buts en l'occurrence pour Messi Elton. Pas que Henry et Messi. C'est assez rare pour le souligner. Il égale le record de Thierry Henry. Il faut quand même s'arrêter et surtout le mettre en perspective, Elton, avec cette capacité limite extraterrestre à se sublimer quand une équipe est très morose. C'est Lionel Messi, à savoir un joueur qui t'approche de la victoire tous les 3 jours. C'est la régularité incarnée, et donc c'est matérialisé par cette stat, et c'est aussi matérialisé par le fait que depuis le départ de Neymar, depuis le départ d'Andrés Iniesta, depuis le départ de Xavi, donc c'est-à-dire des sources de créativité, là les sources de créativité, elles se sont taries, elles reposent
principalement sur Lionel Messi. Et donc, on a vu un Lionel Messi, à mesure que les années s'étiraient, à mesure que les années s'avançaient, on a vu un Lionel Messi qui, justement, est davantage playmaker et qui est nettement plus à la passe. Et c'est matérialisé avec cette stat 20 passes décisives. Donc, c'est en ça que, évidemment, c'est la folie. Sur le chat, effectivement, tout le monde partage les 1050 personnes présentes sur le chat partagent effectivement cet avis-là. C'est vrai que c'est bizarre parce qu'il pourrait vivre une saison blanche, Messi, avec des statistiques complètement D'ailleurs, c'est curieux parce que Henry fait cette stat de dingue et il termine derrière Manchester United. Exactement, exactement. C'est donc un peu le décalage. Et c'est important de mettre en perspective les perfs individuelles avec la réalité collective qui est un peu plus problématique du côté du Barça. Ce qui est fou, c'est qu'il a banalisé ça et que les gens en parlent avec... Avec un peu de recul, un peu d'auteur. Non, mais genre, en gros, ouais, d'accord. Ouais, c'est Messi, tu vois. Et c'est ça qui me... Il a rendu normal l'exceptionnel Walid, et ça depuis très longtemps, effectivement, Messi. Donc on a voulu, effectivement, dans le Club des 5, lui rendre hommage, puisque ce match-là n'a pas forcément, ne restera pas forcément dans les annales. En tout cas, je vous propose, les gars, de faire un petit point sur les résultats qui ont marqué cette journée de Liga. Ils sont importants, puisque la course au titre n'est toujours pas terminée entre le FC Barcelone et le Real Madrid, avec cette victoire du Barça, qui vient donc resserrer l'avantage des Madrilènes. Un but à zéro contre Valladolid, on vient d'en parler. Osasuna s'est imposé contre le Celta, et l'Atlético, au plus grand bonheur de Romain Bédouc, l'a emporté contre le Real Betis. Atlético petit point en Ligue des Champions maintenant. Exactement, très officiellement Elton Mokolo. Petit point classement également pour poursuivre sur la Liga. Classement qui, je le disais, voit le Real Madrid toujours leader, 80 points. Le FC Barcelone n'est qu'à un point, mais le Real Madrid joue contre Grenade pour clôturer cette journée de Liga. Voilà. Rien n'est encore joué, il y a encore des points à les gagner, Elton, même si voilà, on va dire que la dynamique est plus compliquée, comme vous l'avez vu, autour du FC Barcelone. Merci les gars pour la qualité de vos interventions, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Merci à vous les socios, je suis obligé de vous dire un grand merci, je le fais tout le temps, mais là, très grand merci, parce qu'on a été plus de 1050 personnes à 2h du matin, à 1h30 du matin, voilà, c'est génial, non, c'est pas mal Walid. C'est beau. En termes de likes, on a 400 en plus, donc on a fait un double de likes. En ce moment, ils sont très très costauds et on leur prépare de très très belles surprises. Il y a de grosses surprises. On travaille en coulisses pour de beaux contenus. Exactement. Ce qu'ils méritent. Exactement, ils méritent. Et les contenus vont fleurir dans le Club des 5. On vous rappelle, les socios, la question du soir, parce que l'émission continue. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Quelles sont les failles de l'Atalanta Bergame? Répondez-nous à travers le replay de l'émission, les commentaires. Sur le chat, vous pouvez aussi encore, vous avez encore un peu de temps. Je vais essayer de faire durer un peu la conclusion pour qu'ils aient le temps de nous donner quelques failles. En tout cas, le replay est également fait pour ça. Les socios, continuez évidemment de liker le Club des 5, d'en parler autour de vous, c'est comme ça que ça marche, que le projet continue d'augmenter. Comme le disait Walid, voilà, il y a beaucoup de contenus qui vont arriver, donc on compte sur vous aussi pour porter ces jolis programmes, ces petits programmes qu'on essaye de faire émerger. On va passer un bel été Walid ensemble, on fera peut-être on essaiera de faire peut-être une rencontre avec le Club des 5, ça fait 3 ans qu'on en parle, on l'a jamais fait. C'est toi qui t'en occupes. Bah non, c'est Elton le chef, la caméra est sur lui, c'est lui qui est un peu le chef. T'es dans les relations humaines, toi, t'es dans les relations humaines. Ouais, je suis très humain, mais Elton met des buts le mercredi et je pense qu'il est capable de réunir les socios pour moi je suis nul en pleine de quoi il est capable. Je te renvoie la patate chaude pour le coup. Merci Elton, merci. Merci à vous les socios, vous êtes beaucoup à nous remercier. Et sinon ce réalisateur, il est monté en puissance comme Bettencourt. Gros pouce bleu les socios pour le réalisateur qui a très mal commencé l'émission avec un sommaire qui s'est justement pas affiché. C'était Valdés. Classico 2011, il rate son dégagement, Benzema marque, et derrière ça a été une propre. Exactement. Parce qu'avant, il faut se relever d'un début d'émission pareil. C'est ça, compliqué. Comme Valdés. C'est compliqué. Ah, je peux te dire, tu vas chercher des auditeurs, etc. J'entendais les respirations à l'oreillette. Oh là là. J'entendais la sueur à l'oreillette. Tu sais, tu commences et tu dis, purée, mais qu'est-ce qu'ils vont me dire à la fin de l'émission? Exactement. Tu sais, c'est quoi? Tu commences, c'est grand, purée. Oh, je vais en prendre. Déjà que je suis venu, j'ai fait une heure de route. Je mérite pas ça, je suis pas venu pour ça. Je connais entendu c'est un travail. Il a énormément travaillé aujourd'hui. On stackine dans le Club des 5 parce que l'erreur de toute manière est humaine et puis que en plus de ça on est une équipe soudée et que c'est le travail aussi de tout le monde dans le Club des 5. Et puis c'est la fin du Club des 5 parce que s'il avait fait ça autre part il serait déjà viré. Et nous, on est humains. Parce que nous c'est d'abord l'humain qu'on. Parce que l'humain est comme ça. L'humain est génial, il fait de bonnes blagues même s'il lance pas les sommaires. Voilà, il sent bon et puis c'est super. En tout cas, merci à vous les gars, merci à vous les socios, merci également à ceux qui ont participé à la réalisation.
rédaction et à l'édition de cette émission. À la réalisation, c'était Monsieur X, dont je ne donnerai pas le nom, rédacteur en chef Antoine Le Breton. À l'édition, Victor Théron, Barnabé Deveau et Sébastien Ferreira. Le réalisateur Ferreira. Dans l'équipe sera non noté. Non noté. Ah, on se marre en cette fin d'émission. Merci à vous, les gars. Prenez soin de vous. Continuez de suivre les côtes d'Elton Mokolo. Ça permet de passer des vacances en douceur. Voilà, c'est la Dolce Vita Mokolo. Merci à vous, les gars. Je vous dis à demain dans le Club des 5. Ciao, ciao. Ciao. Salut.